Ce match va être un match abonné contre Alexandre. Alexandre qui joue très bien avec ses 64% et level 150. Alors il se base sur du golasso. Ah, tu vois, ce que je voulais faire en fait, c'est que la balle elle devait pas faire ça. Mais je l'ai frôlée juste avant de toucher le mur. Donc ça l'a pas fait. Alors tout ça pour vous dire, salut les amis, ça fait plaisir de se retrouver pour une vidéo. Alors cette vidéo, c'est une vidéo Golasso contre Alexandre. Hier, j'avais mis un message sur Facebook, le réseau social des vieux, pour demander éventuellement qui était dispo pour faire une partie. J'ai eu zéro réponse, hein. Je crois que ce réseau est vraiment de plus en plus abandonné. Pour vous dire la vérité, je l'avais créé parce que ça simplifiait les choses pour SoccerStar. Mais Facebook, j'y vais une fois tous les 3 mois, tu vois. Et encore des fois, c'est pour ma famille, parce que ma famille est loin. Mais j'y vais une fois tous les 3 mois. Oh là, il semble qu'un but est en préparation. Et non. Non, non, ça a échoué. Alors là, connaissant Alexandre, je pense que ça passe. Ça passe, sauf que moi, tu vois, quand je jouais, parce que je joue pas en live, là. C'était hier soir, ce match. Quand je jouais, je pensais que. Bon, au niveau des réseaux sociaux, ouais, Discord un petit peu plus. J'aime bien l'engagement, donc mate cet engagement. Discord un petit peu plus présent, hein, je vous promets. Là, je vais revenir sur Discord là pour de vrai. Alors maintenant, je vous garantis pas d'être constamment dessus. Parce que le problème, c'est que sinon, bah, t'es constamment sollicité. Discord, c'est quand même ultra connecté. Donc, j'adore le concept, j'adore l'ensemble. Pour moi, c'est le logiciel d'avenir et franchement il est codé mais merveilleusement bien quoi. J'avoue, le truc est juste bien pensé à tous les points de vue quoi. Et donc voilà, donc Discord oui un petit peu plus, hein. Oui j'y serai et comme ça permettrait de lancer éventuellement des matchs contre vous. Donc là Alexandre qui est GU par hasard parce qu'en fait j'avais fait donc la demande sur Facebook. Ensuite Alexandre enfin non j'ai fait des demandes parmi les personnes qui ont été ajoutés, t'as vu ce truc? C'était de la merde. Qui était ajouté sur mon compte SoccerStar. Et se trouve que Alexandre était disponible à ce moment-là. Alexandre, qui joue pas beaucoup, hein, il doit jouer un petit peu de temps en temps. Non, je pense qu'il joue pas mal. Et Dude, je t'invite aussi à aller aussi consulter sa chaîne parce qu'il a une chaîne. J'ai bien aimé ce renvoi. Parce que je voulais vraiment qu'elle passe au-dessus. Et c'était assez complexe étant donné qu'elle était. Comment elle était positionnée. Oui, si je renifle un peu, t'inquiète pas. Hein, tu m'en veux pas. C'est pas que je sois un gros porc. C'est que juste j'étais malade là pendant 2 jours. Et que là, ça va un petit peu mieux. Ouais, un petit peu mieux. Donc j'en ai profité justement comme j'étais malade pour faire un petit montage. Et un beau montage. Que vous pouvez retrouver, je pense, soit demain, soit. Non, pas demain. Je pense pas demain. Parce que si vraiment je le finalise bien, c'est pas demain. Là, j'ai pas trop d'idées. Je voulais éventuellement raser mon pion, voir ce que ça pouvait donner. Mais voilà, ça a donné encore mieux que ce que je pensais. C'est-à-dire que finalement, son pion a vraiment aidé à rentrer. C'était pas voulu de base. Je voulais vraiment. J'étais en manque d'inspiration. Et le geste que vous avez pu voir était un geste purement. Je saurais pas comment te dire. C'est pas de lâche. Si, c'est de la chance. Vas-y. Pense que tu veux. Et donc là, ça continue. Ça continue. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire quand il se passe rien? Donc oui, n'hésitez pas éventuellement pour ceux qui sont déjà abonnés, enfin qui sont déjà sur Discord, d'y aller. Est-ce que je remettrai le lien? Oui, je remettrai le lien sans doute dans les commentaires. Parce qu'en ce moment, j'ai un peu la flemme à chaque fois de remettre les commentaires, même s'ils sont automatiques, quasiment identiques. Quasiment, hein. En fait, c'est la signature du commentaire qui est identique, mais le commentaire en lui-même. Non, à chaque fois, je commente en expliquant ce qui va se passer. Là, par exemple, tu auras un commentaire qui va dire: Je joue contre Alexandre, qui a une chaîne YouTube à cet endroit. Oui, Alexandre a une chaîne YouTube avec ses propres vidéos. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne. Et tu sais, ça coûte quoi en fait de cliquer sur un bouton rouge et de t'abonner. Rien. Mais réellement pour la personne qui est créatrice, c'est du plaisir que de voir que voilà, des gens s'ajoutent petit à petit. Tu vois, moi je pensais pas Encore que une fois, cette je m'attendais chaîne, pas à ce que le mec petit il à marque. petit. Et là, il a marqué quoi. Donc c'est pour ça que tu as vu mes commentaires, c'est pas pour cacher ses buts. Hein. C'est pas parce que je suis un mec, un rageux, tu vois. Je suis un dégoûté, je dis, ah il va marquer, vas-y, j'ai pas envie quoi. Non, rien à voir. Puis d'ailleurs, je sais même pas pourquoi je pense à ça. Et quel mec fait ça? Faut moi de cheveux pour faire ça. Super bien joué. Je me suis fait défoncer, hein. Je sais pas si t'as vu. Voilà.
Mes deux petits buts. Bah, Alexandre est vraiment très bon. Alors je l'ai trouvé un petit peu en dessous, je suis sûr que même lui il doit se le dire, un petit peu en dessous je pense de ce que j'ai pu voir quand j'ai joué précédemment avec lui. Même si là les gestes sont très beaux, je veux dire les gestes que vous pouvez voir, c'est-à-dire quand il marque le but, effectivement c'est très beau. Il y a eu des mouvements, bon c'était pas trop top, mais bon, moi c'était pareil, j'ai pas non plus... Voilà, je ne peux pas critiquer alors que moi-même je suis critiquable, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, mais vraiment au début on a eu du mal à se chauffer un petit peu, à se jauger et à se trouver. Disons que les positions étaient un peu compliquées. La balle se trouvait tout le temps dans des emplacements, ouais, tu sais pas trop quoi faire avec quoi. Tu vois là, je ne peux pas viser direct parce que bon, même si le trou est petit, c'est intéressant, mais voilà, le geste n'est pas forcément classe. Et nous, ce qu'on recherche là, quand on joue, c'est du classe. C'est du classe. D'ailleurs, j'ai le souvenir là, c'est parce qu'il n'y a pas la... il n'y a pas la... le retour audio du moment où je jouais. Mais à ce moment-là, je sais pas, ma petite femme, elle était avec moi, elle discutait. Et là, c'était pas mal, hein, t'as vu? Et franchement, elle s'intéressait pour une fois, ou elle faisait semblant de s'intéresser, je crois que c'est ça. Je crois qu'elle est amoureuse, elle faisait juste semblant de s'intéresser. Mais au jeu quoi. Je lui montrais un petit peu que voilà le but. Elle fait mais attends là pourquoi vous marquez pas? Il y a moyen de marquer direct là. C'est bizarre comment vous jouez. Donc je lui explique quoi que le but c'est pas de marquer. Même si oui si c'est quand même de marquer. Mais que le but principal, là je trouve mon geste, mais waouh. Mais vraiment hein? On est d'accord. On est d'accord. C'est de la grosse merde. Je manque de concentration ou juste je sais pas jouer quoi. Mais c'est de la grosse merde. Et lui qui m'enchaîne sur un super truc. Là il y avait de quoi faire avec le poteau. Donc je tente, hein. Là tu vois, je me concentre un petit peu plus. Donc je pense que je vais moins faire de la merde. Voilà, c'est moins de la merde parce que c'est toujours très difficile de trouver la bonne zone à frapper sur le poteau. Oh, et ce tir qui était magnifique. Voilà. Oh là. Mais Alexandre, il est vraiment bon. Hein. Sur les petits doubles rebonds, sur les balles à prendre dans le coin, tu vois, genre ces balles-là. Il est vraiment bon. Tu vois, c'est juste un tueur. T'as vu un petit peu où il est passé? Est-ce que tu as vu où il est passé? Tu vois, tellement ça m'a choqué. J'ai mis le personnage choqué, tu vois. Choqué, frais, effrayé par... Partant de... Bon là je vais juste créer une ouverture dès le début. Je crois qu'il n'a pas compris. Il s'est dit mais il fait quoi? Mais c'est quoi son but? Il va où? Voilà. Là j'aime bien ce tir. Mais quand il marche il est beau. Franchement c'est... Voilà ça fait partie des trucs c'est beau. Mais quand il marche pas c'est pas beau. Qu'est-ce que je disais dernièrement? Je parlais de Discord. Attends il va marquer ou pas? Donc ouais, n'hésitez pas. Vous y allez. Je vais mettre le lien dans la description. Une fois que vous y serez, bah, c'est tout con. Hein. Tu chattes, tu mets un message, que tu veux. Tu peux demander à des joueurs de jouer contre toi, de t'apprendre des trucs. Tu peux demander des sous, même si c'est pas toujours, toujours bienvenu. C'est pas génial ça. J'adore quand ça fait ça. J'adore quand ce que tu penses dans ta tête, la logique que tu as dans ta tête, se met en action quand tu joues. Tu vois, par exemple, au début, quand j'ai fait le rebond sur le mur, et ensuite je voulais revenir taper sur le pion, vraiment tout au début hein, de la vidéo. Tiens, là, regarde, j'essaye, et c'était pas mauvais, mais pas tout à fait ça. C'est pas simple. Il y en a pas mal qui me disent, ouais, au bout d'un moment, tu le maîtrises. Écoute, ça fait 3 ans que je joue, je le maîtrise toujours pas. Ce tir-là, si je le maîtrise de plus en plus. Bah alors voilà, tu tires sur le pion, etc. Alors c'est pas que je le maîtrise pas, hein. Je vais pas te mentir, mec. Je pense qu'une fois sur... allez, j'allais dire 5, mais j'irais 10. Une fois sur 10, je les mets. Hein. C'est pas... Là, c'est la grosse merde. Là, c'est la grosse merde. Mauvaise gestion de qu'est-ce que ça va donner après, tu vois. Tu gères le présent et pas le futur. Alors je sais pas si le rebond sur pion était prévu. Mais ça rend le truc un peu plus... Voilà, un peu plus classe. Du coup, ça passe. Ça reste du golasso, tu vois. Ça passe tout à fait. Tir basique, simple, efficace. Un peu ce dont je parlais tout au début avec les doubles rebonds sur retour. C'est encore à revoir. Hein. C'est la prochaine étape. La prochaine étape.
Donc je vous expliquais au début, hein, bande de feignants là qui vous couchez super, de feignants, je sais pas, ou de paresseux, ou de gens qui respectent leur sommeil. Vous vous couchez vachement tôt, à 21h30, j'ai lancé l'appel, hein. Donc peut-être que ce soir je relancerai un appel. Attendez, mardi. On est mardi, je suis un ouf. On est jeudi, plutôt. Non, ça va peut-être être compliqué ce soir. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Et je sais pas. Ah, je retente, hein, t'as vu comme tout à l'heure. Je me dis, allez, ça peut marcher. J'ai forcément marqué au moins un comme ça. Ce serait tellement bien. Là, ouais, trop facile aussi. Je pense que j'ai passé par le haut, non, je sais plus. Je tente direct. Non, je passe par le haut. Non, c'était trop facile. Je vais passer au-dessus de son pion, voir ce que ça donnerait. Bon bah, je suis juste passé au-dessus de son pion. Après, ça donnait pas grand-chose finalement. Il a fait la même chose, qui aussi a pas donné grand-chose, mais pareil, le geste était vraiment était plaisant, plaisant à regarder, agréable pour les yeux. Et donc ouais, les gens, je proposais donc de jouer. Pourquoi je voulais te parler de ça? Oui, parce que je m'attendais en fait à ce que, bon, comme c'était Facebook, je me dis peut-être que, moi, toi, tu l'utilises pas, mais peut-être qu'eux, ils l'utilisent, et que du coup, tu vas avoir plein de demandes d'un coup, du coup, tu vas pouvoir faire un super montage, etc., etc. Oui, dans quoi je me suis engagé, tu me diras. Surtout que j'ai un montage que je suis en train de faire en parallèle, deux montages en fait que je suis en train de faire en parallèle, un autre pour une autre chaîne, et qui me font kiffer les deux montages. Mais de là à m'engager sur un troisième montage de match abonné, alors qu'il y en a un qui est en cours aussi, qui est contre qui? Contre King? Je sais plus. Non, King, je l'ai déjà mis. Je sais plus contre qui j'avais joué. Et qui est en cours aussi de montage. Enfin, de montage. Il est déjà sur le plan de montage. Il n'y aura pas, je pense, de voix posée dessus, de voix off comme j'ai fait là pour Alexandre. Parce que ça s'y prêtait pas trop, en fait. C'est surtout des coupures. Et c'était lourd entre chaque tir. Donc voilà. Que là, avec Alexandre, ça s'enchaîne, tu vois. Ça va. À part moi. Oui, je dis ça s'enchaîne, mais des fois je suis long. Hein. Regarde, parce que là c'est moi. Et j'ai remarqué moi-même en jouant que c'est plusieurs fois que j'entends ça là. Mais mec, ça fait 3 fois que t'essayes. À arriver à un moment, c'est bon. Dis-toi stop. T'arrives pas à marquer comme ça, t'arrives pas à marquer comme ça. Point. Là, je savais que ça allait faire de la merde. Mais voilà, j'ai quand même voulu faire de la merde. Mais au moins ça a la place. Histoire d'essayer de faire un truc sympa. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait là-dessus? Je me souviens plus, tiens. Quoi? Mais t'es sérieux? Ah ouais. Ah ouais, des fois quand je me revois, je me dis, ah ouais. Ah ouais. Pourquoi t'as pas tapé le pion? Mais oh, ouais, c'est. Ah ouais, J'étais fatigué, bon c'était le soir, enfin j'étais fatigué, il était 21h. Ouais, joli, bien joué. Franchement bien joué. Ouais, c'était le soir, il était. Ouais, il était 21h. Oui, puisqu'Alexandre allait se coucher, tu vois. Et c'est lui qui m'a dit au bout d'un moment, vas-y, je me casse. Je rejoue plus. Donc là, on a rejoué, hein. Forcément, on a rejoué plus. Je crois qu'on a joué 3 parties en tout. 3 parties en tout, je pourrais vérifier là parce que je suis en train de monter, donc j'ai juste à aller à la fin de la vidéo. Mais bon, je fais en live, j'ai pas envie de revoir ce que j'ai fait. Là, je vous commente sans avoir revu, mais avec des idées un petit peu du vécu d'hier, sachant que j'ai une mémoire de merde, il reste plus grand-chose, mais voilà, avec une idée de vécu. Et puis voilà. Là, oui, je tentais de passer entre les deux pions de cette formation javelot, qui je trouve de plus en plus pourrie. Personnellement, elle est tellement faillible. Ça existe, faillible. Elle est tellement ouais, j'ai pas le mot pour. Je vais passer par en dessous, hein. Pour ceux qui pensent que je veux viser le gros trou, non, non, je veux pas viser le gros trou. Je voulais passer par en dessous et par en dessous c'était chaud. Et Alexandre il m'a juste dit calme-toi mec, calme-toi. Essaye de jouer. Je sais pas ce que tu fais là, mais joue.
Montre-moi que tu es un bon joueur. Bon, après, Alexandre, il est quand même 150 en termes de level et 64% de ratio. Donc, il a un très bon ratio. Mais du coup, ça veut dire que tu donnes pas beaucoup de sous, Alexandre. Ça veut dire ça, finalement. Et d'ailleurs, même moi, je t'en dois des sous puisque tu as gagné un concours sur un truc Facebook. Et là, bon, on n'était pas sur le bon compte pour que je puisse le faire. D'ailleurs, ouais, il y aura du nouveau sur les prochains matchs. Puisque. C'est dommage d'avoir raté là. Puisque actuellement. Ah, pardon, je suis désolé. Actuellement, avant j'étais sur un Zenfone. Un téléphone de Asus qui est une grosse. Enfin, pour moi, personnellement. Waouh, ça c'est bien de se marquer un but comme ça. Pour moi personnellement, qui suis utilisateur régulier d'Android et qui joue quand même aussi sur mon téléphone, je ne fais pas que téléphoner. En tant que téléphone, il est bien. Du coup, je l'ai offert à mon père. De toute façon, le but de ce téléphone, c'est que je le configure pour l'offrir à mon père. Là, il m'a mis un truc, il m'a mis un 3-0, mais pao. T'as vu ou pas? Un pao. Chaud. Et là, il doit repartir, et puis voilà, c'est la fin, les gens. Donc, je ne vais pas finir ma phrase. Et je vous dis à très bientôt, puisque on se retrouve de toute façon pour un autre match qui s'organise bientôt. Et puis, n'hésitez pas, éventuellement ce soir, peut-être sur Facebook, je vous mettrai une alerte pour vous dire que voilà, qu'il y a moyen. Je vous fais un gros bisou, et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, les gens.